C'est à qui l'océan, Marc? C'est à tout le monde, Robin. Vous êtes drôle, comment peut-on posséder l'océan? Oh, voilà un message. L'Organisation du Monde Uni appelle le Nautilus. L'équipe de recherche chimique ne répond pas à notre appel radio. Veuillez faire une enquête. La dernière position connue du navire numéro 6, 22 Est, 88 Nord. Allons-y, les enfants. Le navire laboratoire que vous cherchez a d'énormes réservoirs d'eau sur le pont. Le navire numéro 6 faisait des expériences sur la récupération de l'or dans l'eau de mer. Nous sommes en route. De l'or qui se trouverait dans l'eau de mer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Autrefois, les chercheurs d'or essayaient de trouver des pépites en lavant à la bâtée le fond des rivières. C'est vrai? Eh bien, les pépites d'or, qui étaient trop petites pour être vues à l'œil nu, ont été transportées par les rivières jusqu'à la mer. Il y a donc de l'or dans la mer. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Eh bien, approximativement, parce que le prix de l'or varie, ce que l'on trouve dans une centaine de seaux bien remplis doit valoir environ 10 cents. Dans un volume équivalent à 1500 mètres cubes, on doit trouver la valeur de 1 million de dollars en or, en cuivre, en argent, en magnésium, en bromure et autres produits chimiques. Et une grande quantité de chlorure de sodium. C'est-à-dire du sel? Je peux garder le sel. Moi, je garderai l'or. Nous sommes riches. Pas tout à fait, Suzy. Ce qu'il en coûte pour extraire l'or de la mer dépasse de loin la valeur de l'or. C'est d'ailleurs ce à quoi travaillait l'équipe de recherche. Voilà le navire laboratoire. Vous avez vu? On dirait qu'il a été attaqué. Quel dégât! Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Voilà ta réponse. Des voleurs, des pirates. Cela voudrait dire que les expériences ont réussi? Je n'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'or à bord. Même si le coût de son extraction est plus élevé que sa valeur réelle. Ils nous ont vus! Ils tirent sur nous! Trop tard pour le rayon laser. Plongez! Plongez! Eh bien, maintenant que nous avons attiré leur attention, voyons si nous ne pouvons pas leur enseigner quelque chose sur l'art de chasser un sous-marin. Espèce d'idiot! Pas sur moi! Sur eux! Tire sur les grenades sous-marines avant qu'elles tombent dans l'eau. Comme ça, on ne risque pas de mettre la vie des poissons en danger. D'accord, Marc. Lancez d'autres grenades! Lancez toutes les grenades que nous avons! Faites-les sauter! Détruisez-les! Mettez-les en pièces, vous entendez? Bravo, Robin, continue. Ça me fait un bon exercice. Je crois que ces messieurs n'ont plus de grenades sous-marines. La meilleure chose, je crois, serait une douche froide. Allô, dites-moi, capitaine, combien d'eau de mer avez-vous dans vos réservoirs? En ce moment, environ 1 million de gallons, je dirais. Préparez-vous à les déverser. Entendu, Marc. Maintenant, nous allons faire en sorte qu'ils nous prennent en chasse. Compris, Marc. Donc, si 10 seaux d'eau de mer contiennent l'équivalent d'un cent d'or, 1000 seaux contiendraient donc 1 dollar. Et si nous évaporions 1 million de seaux par jour, il ferait terriblement humide ici dedans.